Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mercredi 9 avril 2023, on va aborder une interrogation qui a récemment émergé. Le Maroc a-t-il formulé une demande d'adhésion au groupe des BRICS? Selon la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor, le Royaume figure parmi les nations ayant manifesté leur désir de rejoindre cette coalition économique, tandis que la candidature de l'Algérie aux BRICS suscite de vifs débats. Le Maroc, fidèle à sa discrétion habituelle, garde le silence sur ses ambitieux projets futurs. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Yebiledi. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetsbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Le Maroc a-t-il déposé sa demande pour adhérer au groupe des BRICS? La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a inscrit le Royaume sur la liste des pays ayant exprimé leur intérêt à intégrer le bloc économique. Nous avons reçu des manifestations officielles d'intérêt de la part des dirigeants de 23 pays pour rejoindre les BRICS, et d'autres consultations informelles sur les possibilités d'adhésion, a affirmé Madame Pandor dans des déclarations à la presse. La chef de la diplomatie a cité l'Algérie, l'Argentine, le Bangladesh, Bahreïn, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Égypte, l'Éthiopie, le Honduras, l'Indonésie, l'Iran, le Kazakhstan, le Koweït, le Maroc, le Nigeria, la Palestine, l'Arabie Saoudite, le Sénégal, la Thaïlande, les Émirats Arabes Unis, le Venezuela et le Vietnam. BRICS est l'acronyme pour désigner le groupe fondé en 2011 par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a invité 67 dirigeants des pays du Sud pour assister au sommet des BRICS, prévu du 22 au 24 août à Johannesburg, dont 34 ont confirmé leur présence. Le Maroc n'a pas encore communiqué officiellement sur son projet d'adhésion aux BRICS. Il est à noter que l'Algérie a intensifié ses efforts diplomatiques récemment pour obtenir un siège au sein des BRICS. Lors de sa dernière rencontre avec les médias, le président algérien a confirmé que les pays de l'organisation soutenaient l'adhésion de l'Algérie. Cependant, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine a laissé entendre que l'Inde pourrait s'opposer à l'élargissement du bloc. Des experts économiques, interrogés précédemment par Express, estiment que l'Algérie ne remplit pas les conditions et critères d'adhésion en raison de la faiblesse de son produit intérieur brut, PIB, par rapport aux pays membres de l'organisation. Face à cette critique, le président algérien a récemment réagi en indiquant que le PIB de l'Algérie pourrait atteindre 245 milliards de dollars. De plus, il convient de rappeler que l'adhésion de tout nouveau membre nécessite l'approbation de tous les pays membres de l'organisation. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.